Bonjour à tous. Peut-on traiter les problèmes d'érection avec le Botox ? Le Botox est un produit déjà ancien, utilisé en médecine humaine pour différentes raisons. Paralyser les muscles du visage pour donner un aspect plus jeune au visage. Paralyser les muscles de la vessie pour traiter les besoins fréquents ou urgents d'uriner, ou encore soulager certains patients de douleurs musculaires. Ce même produit, le Botox, pourrait être utilisé dans un avenir proche pour améliorer la qualité des érections. En effet, plusieurs études ont été publiées concernant l'intérêt possible du Botox dans la prise en charge de la dysfonction érectile sévère. Il s'agit alors de patients qui ne répondent plus aux traitements médicamenteux comme le Viagra et le Cialis, ou encore qui ne répondent plus aux injections intracaverneuses. Dans ce cas, chez certains patients dont les fibres musculaires sont contractées au niveau des corps caverneux, au point que les médicaments ne fonctionnent plus, les injections de Botox, ou en tout cas une injection de Botox, a pu, dans certaines études, améliorer la qualité des érections et permettre à nouveau une activité sexuelle. En effet, quand l'on parle d'érection, la contraction musculaire est ce que l'on veut éviter et les médicaments vont avoir un effet de relâchement des muscles. Ces effets, que ce soit par les médicaments, par voie orale ou par injection, sont à peu près médiés par les mêmes voies d'activation. Le Botox en serait donc une nouvelle et avec différents avantages supplémentaires, notamment la possibilité que le produit puisse être efficace de façon prolongée plusieurs mois après une seule injection, une injection qui serait pratiquée par le médecin au cabinet et qui ne nécessiterait donc pas de chirurgie. On voit alors bien l'intérêt que peuvent générer ce type d'études. Les études actuellement en cours, celles qui ne sont pas encore publiées, doivent aboutir aux informations qui nous manquent encore concernant les doses que l'on pourrait utiliser. Il semblerait que 100 unités de Botox fassent mieux que 50, mais également les informations concernant la meilleure sélection possible des patients afin de mieux identifier le groupe d'hommes qui vont pouvoir bénéficier de ce traitement. Je vous partagerai ici les résultats des prochaines études qui seront publiées sur ce sujet, qui semblent être prometteurs pour l'avenir. À bientôt.